Madame, madame, comment allez-vous? Bien, merci, et vous? Bien. Bon, revenons au sérieux. Ouais. Cette année, on a décidé de faire un peu moins de théâtre. Et un peu plus de jeunes acteurs, une semaine sur deux. Ouais. C'est ça. Mais en fait, on fait des auditions ou des clips, on pratique nos textes. Devant la caméra, on fait de l'impro, on fait... Ouais. En fait, c'est tout. C'est pour nous déjeuner. Ouais, puis pas être... Ouh! Aux auditions, il faut être... En bas. Bonjour. Aujourd'hui, je suis avec nos professionnels. Artiste. Et ben, on me reconnaît sûrement, je m'appelle Naomi Claire, puis c'est ça, là. On m'a vu dans le trip à trois, mais on parle pas de moi. Alors là, je vais commencer avec Camille. Veux-tu bien nous parler de tes expériences, s'il te plaît? Ben, j'ai joué dans Olivier, en deuxième rôle, genre. J'ai été la petite fille qui se faisait adopter à la place du rôle principal. J'ai fait une audition pour un court-métrage qui s'appelait Marika. J'en ai fait une autre audition pour un personnage qui s'appelait Chloé. Puis, c'est ça. Avez-vous aimé ça? Ouais, vraiment. Parfait. Vous pouvez retourner. Rosalie. Moi, j'ai fait la figuration dans les bars et familles. Je jouais au hockey, j'ai fait la figuration aussi dans Rupture. J'étais une petite fille dans l'hôpital, j'en ai fait beaucoup. Puis j'ai passé une audition pour jouer dans un court-métrage moi aussi. Mais malheureusement, j'ai... Avez-vous aimé votre expérience? Ouais, beaucoup. Ok, parfait. Juliane, pouvez-vous me parler de vos expériences? J'ai eu la chance la semaine dernière de faire une audition pour Rupture. Je sais pas encore si je vais l'avoir. Ça va être la semaine prochaine que je vais savoir. Puis c'est ça. Ok. Avez-vous aimé ça? J'ai adoré ça. Ça a été vraiment une belle expérience. J'ai entendu dire que c'était votre première année. Oui. Félicitations. Merci. Lauriane. Courage. J'ai fait de la figuration dans L'amour pour Noël, Rupture, puis plein d'autres. Puis j'avais eu un troisième rôle dans The Lodge. Ouais, c'était parmi plusieurs figurants. Puis ouais. C'était une belle expérience. Vraiment. Bon, vous pouvez. On a été avec nos meilleurs artistes. Bravo les filles. Merci. Et c'est ça. Bye. 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 Bonjour. Aujourd'hui, nous allons faire une improvisation de voix hors champ. Gabrielle, elle est quand même vraiment pas bonne. Moi, j'aurais pris Juliane, mais vraiment, sérieusement. Là, il me semble qu'il manque quelque chose. Hey, Yoyo, on est juste ensemble? Ouais, là, 2 secondes, je finis de texto. Ok, ma soeur, là, j'ai vraiment une famille de gossants. Ma mère, elle m'oblige avec ma soeur qui gosse. Puis ma mère, elle gosse en me disant de rester avec ma soeur qui gosse. Ouais, c'est bon. Bonjour, Lego. Tu viens? Tiens. Oui, mais on joue tout de suite, là. Ouais, tiens, regarde, c'est Lego. Vas-y, c'est bon, tu peux jouer. Mais il y a un jeu. Là, c'est ça? C'est beau, continue. Mais arrête de jouer à ton téléphone, là. Non, non. Ouais, ok. Et puis non, je vais pas arrêter de jouer avec mon téléphone à gosse, donc je vais laisser jouer tout seul. Ok. T'as fini de jouer au Lego? Non, parce que tu joues pas. Ok, je vais porter mon cerf et j'arrive. Hey, salut! Est-ce que j'ai la vérité, vérité? Ah, ben oui. Vas-y, tu peux commencer. Pose-moi une vérité. Est-ce que t'es un gars? Non.
Ok, c'est sûr qu'elle ment. Elle aime tout le monde, le genre. Mm-hmm. T'es sûre? Ben ouais. Pourquoi? Toi, tu aimes-tu un gars? Non. Ok, j'aime peut-être un gars. Ok, moi je te l'avoue, j'aime un gars. C'est qui? Ludovic. Ludovic dans ma classe? Ouais. Avec les cheveux bruns? Ouais. Et sérieuse, elle aime le gars que j'aime. Moi, j'aime Justin, ouais. Lui avec les cheveux blancs, là, puis les lunettes. Ah, ben bon. Ok, je l'avoue, je l'aime pas. J'aime Ludovic. Bon, ben, ouais. Tu l'aimes vraiment? Ben oui, beaucoup. C'est drôle. Ok, je suis vraiment mal à l'aise. Faut vraiment que je m'en aille. Ah, j'ai quelque chose à faire. J'ai un rendez-vous avec quelqu'un. Ok. Faut que j'aille, bye! Bye! Hey, salut! Ça va? Ouais, toi? Ouais, t'es belle aujourd'hui. Tiens, non. Toi, regarde, t'es full populaire, là. Ok, ça me paraît vraiment qu'à moi parce que, de un, je suis pas pantoute populaire, pis cette fille-là, de deux, elle a pas l'habitude de me dire des compliments. Hey, je voulais te dire, là, que genre, t'es vraiment magnifique. Tu brilles comme le soleil, là. Oh, merci, toi aussi. Hey, tu m'entends, non? Mais c'est pas grave, t'es vraiment gentille. C'est moi qui mens, c'est moi qui mens. Non, c'est elle qui ment. Elle dit que je suis belle pis tout, c'est vrai. Mais elle, je suis sûre qu'elle complète dans mon dos. En plus, des rumeurs qui courent dans l'école, là. Salut! Salut! J'entends dire que t'as cassé avec ton gym. Ouais. T'es pas trop déçue? Non. Là, elle a l'air contente, là. Je sais pas ce qu'elle a, là, mais elle est contente, là. Ouais, t'as fait ça? Hey, regarde, qu'est-ce que t'as fait? J'étais chez nous. Ah, ben, je passais chez vous, puis il y avait genre deux personnes. Non. On dirait que tu dansais avec quelqu'un. Je pense que c'est ton maison, parce que c'est rien passé d'ordinaire, là, chez nous, là. J'étais tout seul chez nous, puis je me gardais, là, dans sa tête avec mon chat, là. Avec mon chat. Coupé. Salut, comment ça va? Bien, toi? Qu'est-ce que tu fais en fin de semaine? Ben, tu sais, je compte inviter quelques amis. Hein? Genre, avoue, tu vas trop m'inviter. Là. Ok, c'est parce que ça me tente vraiment pas de l'inviter. Qu'est-ce que je fais? Je vais y penser, là. Genre parce que ça serait trop cool, on pourrait se faire des massages aux pieds, se faire des faux ongles, puis se faire des mèches blondes. Elle pense que j'ai l'argent pour ça. J'en ai pour moi, parce que, tu sais, moi, je vais être la plus belle, là, mais pas pour les autres. Et rejet. Ben, tu sais, moi, je pensais plus faire... Oh, non, mais tu sais, je comprends, là. Tu sais, on peut aller magasiner à place de s'acheter des nouveaux talons hauts. Oh, oh, sinon, des jupes! Salut! Merci. Hey, salut. Salut, ça va? Oui, ça. Cool. Hey, là, c'est pas là, mais je me suis acheté, genre, mon nouveau, là, ma nouvelle couette, là. Elle est vraiment belle. Ouais, vraiment. Bon, ok. Je sais que ma soeur, elle veut essayer de me rendre jalouse. Ouais, c'est vraiment le fun. T'as fait quoi aujourd'hui? Oh, plein d'affaires. C'était tellement cool avec mes amis, là. T'imagines pas comment c'était cool. Ok, moi, je suis allée chez ma best. C'était vraiment le fun. On a fait une soirée pyjama avec toutes les filles. Ah, c'est cool. Bon, tout ça pour dire, c'est pas vrai. Elle était restée à la maison faire ses devoirs. Pourquoi elle ment? Savez-vous quoi, là? Dans l'autobus que j'ai pris pour retourner à la résidence, là,
Il y a un petit voyou de 20 ans, là. Il m'a pris ma tique puis il l'a lancé dans l'allée. Quand j'ai voulu la reprendre, il y a quelqu'un qui m'a poussé puis je me suis fait pire dessus. Ah, là, tu parles, qu'est-ce que vous pensez que j'ai fait? Un petit coup de canne, là. Ça n'a pas fait de tort. Maman, aujourd'hui, dans notre bus, il y a quelqu'un qui a pris ma tique puis il l'a pitché par terre. En plus, il y a quelqu'un qui l'a pilé dessus avec plein de bruit. En plus, c'était ma nouvelle tique. Hey, Yann, dans le TV, c'est comme hashtag trop bizarre, là. Bon, hier, en fait, j'ai une tique blanche comme, wow, elle est tellement belle. Puis, ben, y a, tu vois, les petits 5 ans, là, il va être ben, c'est ça. Il me l'a pris, puis il l'a pissé dans l'allée. Yark, plein de boîtes, hashtag trop dégueulasse. Ah, attendez que je tweet ça, là. Maman, hier, là, tu as mon anniversaire. Y a quelqu'un qui a achumé dans mon gâteau. J'ai vraiment pas aimé ça. Puis, c'était dégoûtant. Il a chumé dans mon gâteau! Mais en fait, il était très bon quand même, mon gâteau. Et je l'ai tout mangé. Et aujourd'hui, il y a quelqu'un qui a été arrivé dans mon gâteau. En plus, c'était mon gâteau de 84 ans. C'est mon dernier gâteau d'aujourd'hui. Je n'en aurai plus. Lola, c'est vraiment poche. Jennifer, là, elle a scrappé mon gâteau. Et que je fais une revanche sur Instagram. Hashtag... Donkey Kong. Et que je l'ai eu, celle-là. Bonjour! Aujourd'hui, on va improviser les termes que les filles ont choisis. L'amour en ville. L'appel de la montagne. L'école des vers de terre. L'attaque des concombres. C'est vraiment poche pour ta soeur. Mais hein? Mais toi, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu veux dire? Pour pas le pogner? C'est pas contagieux, la leucémie. D'où, je sais pas que c'est pas contagieux, mais t'sais, c'est génétique. Si ta soeur a là, c'est sûr que tu vas l'avoir à un moment donné. Tu me niaises? Pas toute. J'ai une tante qui l'a pognée, puis une couple de mois après, boum, c'était sa soeur. Arrête cela, c'est même pas vrai. Je te dis pas que ça t'arrive, mais t'sais, pense-y. Si jamais ça vire pas vrai pour toi, penses-tu que je pourrais avoir ton bicycle? Carla, arrête! C'est une joke, il est même pas beau ton bicycle. Hey, en tout cas, c'est vraiment poche pour ta soeur. Mais hein. Puis toi, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, pour pas le pogner. C'est pas contagieux, la leucémie. Dude, je sais bien que c'est pas contagieux, mais c'est génétique. Si ta soeur a l'heure, c'est sûr que tu vas le pogner à un moment donné. Je te jure, man. Tu niaises! Non, j'ai une tante qui l'a pognée, puis une couple de mois après, boum, sa sœur. Arrête là, c'est même pas vrai. Je te dis pas que ça va t'arriver, mais tu sais, pense-y. Mais si ça va pas bien pour toi, penses-tu que je pourrais avoir ton bicycle? Carla, arrête! C'est des jokes, il est même pas beau ton bicycle. C'est vraiment plate pour ta sœur. Mais non. Mais toi, qu'est-ce que tu vas faire? De quoi que je vais faire? Ben, pour pas le pogner. C'est pas contagieux, la leucémie? Eh, ya, je sais bien que c'est pas contagieux, mais... C'est génétique. C'est ta soeur-là, c'est sûr que tu vas l'avoir. Tu niaises? Pas en doute. J'ai une tante qui l'a pogné, puis pouf, une couple de mois après, c'était sa soeur. Arrête, là, c'est même pas vrai, ton affaire. Ya. Je dis pas que ça va t'arriver à toi, mais... T'sais, pense-y. Si ça tourne pas bien pour toi, penses-tu que je pourrais avoir ton bicycle? Carla, là! Arrête, t'es vraiment fatiguante.
Pas drôle. Hey, c'est des jokes, là. Même pas beau, ton bicycle. En tout cas, c'est vraiment poche pour ta soeur. Mais, hein. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, pour pas le poigner. C'est pas dangereux, la leucémie. Je sais bien que c'est pas contagieux, mais c'est génétique. Si ta soeur elle l'a, là, c'est sûr qu'à un moment donné, tu vas l'avoir. Tu niaises? Pas en tout. J'ai une tonche. Mal. With me one more time.